Bienvenue donc à tout le monde pour cette grande et belle journée du 2 février, qui est en fait la journée où la coordination sociale de la CUN a l'honneur de présenter le plan global de revitalisation de la CUN. Un plan global de revitalisation, c'est un état des lieux du quartier. Un état des lieux du quartier sur les réalités que vivent les habitants, sur les réalités que vivent les travailleurs aussi, à propos de tout ce qui concerne la vie des gens, que ce soit le logement, la santé, l'éducation, la convivialité, enfin tout ce qui fait en général la vie des habitants. Donc le plan global de revitalisation est en fait le fil rouge de la coordination sociale de la CUN. C'est l'outil de travail, c'est l'outil de référence de la coordination sociale qui prévoit les différentes thématiques et dont chaque thématique, on part de la réalité, des besoins, de l'analyse de ces besoins et des pistes d'action, qui définissent des pistes d'action. Nous voulons que ce plan global de revitalisation soit la parole construite du quartier, que ce soit une réalité qui est portée, qui émane du quartier, des habitants, et qui effectivement soit portée par elle aussi. C'est un plan de travail sur 7 ans, en fait, sur 6 ans, puisque le plan global, on le fait coïncider avec les élections communales.